Aujourd'hui, on regarde les choix et les conséquences de la quête dans les petits papiers de Bérate, qui est une quête au début du jeu. Vraiment très facile pour se rendre. Là, vous allez parler à l'esqui. Ensuite, vous changez de map pour tomber dans les canals roturiers d'Orzammar. Et vous allez venir ici, dans la taverne Barbaude. Ensuite, vous allez parler à Oskias. Et inévitablement, dans les dialogues, vous allez tomber sur une situation où vous avez deux grands choix. Soit de le tuer, qui est la demande de Bérate, en fait. Ou soit de le laisser vivre en acceptant un pot de vin. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Oskias, il a sur lui deux pépites qui ont deux minerais qui ont de la valeur. Donc vous pouvez, rendu là, soit faire, par exemple, l'immobiliser et le tuer. Si vous le tuez, vous allez pouvoir avoir ces pépites, mais l'esqui ne vous donnera pas l'option d'aller vendre les pépites à la marchande qu'il connaît bien. Tandis que les deux options ici, là, de soit d'accepter une pépite, ou soit de l'intimider pour obtenir les deux pépites qu'il a sur lui, vont vous permettre ensuite d'avoir une proposition de l'esqui pour aller vendre les pépites. Il n'y a aucun effet négatif de prendre intimidation pour obtenir les deux pépites. Donc vous avez le choix entre une ou deux. Je vous suggère fortement de prendre les deux pépites, comme ça ici. Et ensuite, que vous preniez une ou deux pépites, l'esqui va vous proposer d'aller les vendre à une marchande à proximité. Et là, ce qu'il va vous offrir au début, ça va être de diviser les profits 50-50. Les pépites vont se vendre 30 pièces d'argent. Donc si vous en prenez une, vous allez en vendre une à 30 pièces d'argent et ça va vous diviser 15 pièces d'argent à l'esqui et 15 pièces d'argent à vous. Par contre, vous avez une option supplémentaire qui est de diviser les profits à 75 pour vous et 25 pour lui en pourcentage. Et il n'y a aucun impact négatif ici non plus à prendre 75-25. Donc là ici, je trouve que c'est intéressant. Moi personnellement, j'aurais accepté l'offre du PNJ de diviser les profits à moitié, 50-50. Mais si vous voulez être un peu plus pingre, hein, être un peu plus un bon négociateur, ben le jeu vous laisse faire et il n'y a pas d'impact négatif à faire ça. Donc vous allez avoir plus d'argent si vous prenez 75-25. Et à partir de là, vous allez pouvoir le laisser aller, hein, peu importe le dialogue que vous prenez. Vous pouvez toujours le tuer, hein, vous pouvez toujours revenir sur votre décision et le tuer. Vous pouvez le laisser aller, vous allez avoir une ou deux pépites. Si vous le tuez, vous avez les deux pépites, vous pouvez juste pas les revendre. Après ça, pour vendre les pépites, vous allez venir voir Olinda, juste ici, donc juste devant la taverne. Olinda ici, elle va vous donner 30 pièces d'argent par pépite que vous allez diviser selon le pourcentage que vous avez choisi précédemment. Ici, vous pouvez voir que je viens d'obtenir 45 pièces d'argent, donc ça c'était le 75%, 25% à 2 pépites. Ensuite, pour la partie suivante de la quête, vous allez venir dans la bâtisse juste à côté. Vous étiez à la taverne ici, vous venez ici à l'échoppe de Bérate. Ensuite, lorsque vous allez parler à Bérate, il y a plusieurs choix possibles. Une option, c'est de lui donner une pépite. Hein, si vous avez une ou deux pépites sur vous, si vous lui donnez, ben, il n'y aura aucun problème. Même si c'est juste une pépite, hein, vous en avez peut-être obtenu deux, vous en avez gardé une pour vous, vous lui donnez l'autre pépite, ça va être correct. Si par contre, vous avez vendu les deux pépites et que vous lui parlez, la pire option que vous pouvez prendre, c'est celle-ci. Admettre que Oskias écoulait du lyrium, mais ne pas avoir de pépite de lyrium sur vous. Ce qui va arriver si vous faites ça, Bérate ne sera pas content. Ils vont vous taxer, hein, ils vont prendre la moitié de votre or. La moitié de tout l'or que vous avez dans votre inventaire. Ce qu'il faut faire, si vous voulez garder votre or, il faut faire ici mentir. Vous allez persuader, vous allez mentir. Dire qu'il n'y avait pas de lyrium. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer de mentir. Dire, je ne suis pas stupide au point de tuer Oskias en public. Hein. Je l'ai éliminé. Mais je l'ai pas éliminé en public, on m'a pas vu faire. Oui, c'est vrai. Et si vous prenez ça, là vous allez pouvoir continuer vers la quête suivante, mais vous allez pouvoir garder les 45 pièces d'argent que vous avez obtenues. Donc ce serait ça. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.